Alors, des petites nouvelles, parce qu'il y a du nouveau, justement. Alors, Sidonie est de ce côté, avec ses bébés qui grandissent bien, qui grossissent bien, et qui ne vont pas tarder à avoir leurs petites dents, parce que ça commence à lui faire souffrir. Voilà les bébés. Une femelle rouge cerf et deux mâles noirs et fauves. Sidonie, viens ici. Si. Voilà les petits kikis. Petite femelle et les deux mâles. Ah bah oui, elle commence à couiner parce que... Ah oui, les petites dents ne percent pas encore. Ça ne saurait tarder. Ça travaille en tout cas. Et puis ce matin, de très bonne heure, il était 5h moins le quart, quand Tania, la petite Tania, je ferme bien parce qu'elle passe par-dessus les grilles. La petite Tania, la coquine. Donc je voudrais pas qu'il y ait des problèmes avec la portée d'à côté, n'est-ce pas? Alors Tania a pris le petit box des nouveau-nés. J'ai mis un peu le chauffage. Il fait 21,5 degrés, mais comme ils sont nés tout à l'heure, je préfère qu'ils aient une bonne petite chaleur en attendant que la température augmente. Il fait chaud en ce moment. Ce matin, il fait doux, même un peu frais. Mais ça va augmenter. Et oui. Donc, les bébés têtes. Alors là, il y a trois mâles noirs et fauves et une femelle noire et fauve. Une seule femelle parmi tous ces petits gars. Entre les deux portées, eh bien, il y a pas mal de petits mâles. Hein. Il y a deux mâles d'un côté, trois mâles de l'autre, ça fait cinq mâles. Et donc, une femelle rouge cerf et une femelle noire et fauve. Ma petite Tania, elle a bien travaillé, j'ai dû l'aider, parce qu'il y a un petit qui n'arrivait pas à bien sortir. Il était. J'ai dû attraper les pattes et tirer comme si j'aidais une vache à vêler. Comme quoi, hein, il faut les accompagner. Mais il y en a un petit qui est en haut, là, qui a déjà tété. Ma petite Tania va se reposer, puis elle aura un petit steak. Pas tout de suite, parce que. Elle peut vomir, donc un petit peu plus tard. En tout cas, là, ils sont bien vifs. Hein. Oh là là, quand ils sont nés, là, déjà, ils allaient vite vers les petites tétines de maman. Voilà. Bon, ben, je vais te laisser te reposer, ma fifille. Donc, nous sommes le 23 juin 2023. Les petits de Tania sont nés ce matin. Toc. Et à côté, eh bien, les petits de Sidonie sont nés le 1er juin. Alors, ils ont trois semaines. Trois semaines et deux jours. Ah, ma fifi, oh, t'es belle avec tes bébés. Oh oui, tu t'en occupes bien de tes bébés. Oui, tu t'en occupes bien. Oui. Ah, mais ils rêvent. Ils rêvent, les bébés. On les entend, là. Oh, les dents. Oh. Les dents aussi. Oh, les dents.
ça fait mal quand ça pousse. C'est douloureux. Ils ont des petites dents bien pointues et forcément, il faut que ça traverse les gencives. Oh, arrête, Richie. Il faut que ça traverse les gencives, alors c'est douloureux. Hein? Oui. Oh, Sidonie, oui. Elle s'est râpée le museau, Sidonie. Ça doit être l'autre jour, hein, avec la chasse aux rongeurs, là. Sous là, et les cabanes à lapins. Elle a dû se râper. Et voilà ce que ça donne. Là, ils ont leur première petite panière moelleuse. Parce que je garde les matelas pour les nouveaux arrivants. Allez, je te laisse, ma fufille, avec tes bébés. Je te laisse pouponner. Oui. Et voilà. Dans le calme. La sérénité. Et les autres. Et les autres. Ils regardent. Hein? Ils sont venus les voir. Hein? Ils sont venus les voir, les bébés. Oui. Et le papa. Le papa. Papa, il les a vus, ces bébés. Bon, allez, je stoppe. À plus tard.